Bonsoir. Soir de Ballon d'Or avec Louis Vix qui se trouve au Châtelet, là où a lieu la cérémonie. Cérémonie à laquelle ne participeront pas les joueurs du Real. Louis, ils ont décidé de ne pas prendre l'avion car ils sont certains que Vinicius ne sera pas Ballon d'Or, c'est ça? Vous confirmez? Écoutez, oui, vous êtes très bien informé, Eric, effectivement, puisque aucune délégation du Real Madrid n'est présente ce soir ici au Théâtre du Châtelet. Alors, c'est un sacré rebondissement quand même dans cette 68e édition du Ballon d'Or, parce que c'était pas du tout mais ce qui était prévu. Au contraire, Vinicius était quand même le grand favori au vu de ses performances la saison dernière qui ont amené le Real à gagner une 15e Ligue des Champions. Tout a commencé visiblement par une rumeur qui arriverait de Manchester. On rappelle que l'UEFA co-organise cette soirée hein, avec nos confrères du groupe l'équipe. Évidemment, on en parle énormément ici autour du Théâtre du Châtelet. On a espéré jusqu'au dernier moment voir et apercevoir le numéro 7 du Real Madrid. Finalement, il n'en est rien. Pas de représentant, ni même Emilio Butragueño, donc pas de Florentino Pérez, pas de Carlo Ancelotti, Jude Bellingham, Dani Carvajal étaient censés aussi être là, mais finalement, le Real a décidé de boycotter cette cérémonie. On dit que Rodri sera Ballon d'Or. Vous avez des infos? Je l'ai vu arriver tout à l'heure avec ses béquilles. Oui, alors ce sera peut-être le premier Ballon d'Or d'ailleurs de l'histoire à avoir des béquilles sur scène pour remporter ce si prestigieux trophée individuel. Effectivement, alors ce qui est sûr, c'est que nos confrères du groupe L'Équipe nous ont assuré depuis maintenant plusieurs semaines que le scénario avait changé et que désormais seules deux personnes, à savoir le directeur de la rédaction de France Football et le directeur de la rédaction de la chaîne L'Équipe, étaient au courant du nom du lauréat de cette 68e édition. Donc ce qui pose question, c'est évidemment comment se fasse que le Real Madrid désigne hier et commencer à apprendre que finalement Vinicius ne serait pas numéro 1 mais plutôt numéro 2. C'est ça qui pose question. En tout cas, lui, Rodri, affichait un large sourire il y a quelques minutes lorsqu'il est arrivé ici avec ses béquilles. Il est à quelques minutes justement de vivre l'une des plus belles soirées de sa vie. Vous restez avec nous, Louis, ce sera un coup de tonnerre forcément parce que tout le monde donne Vinicius gagnant depuis plusieurs semaines. Incroyable, incompréhensible, tout dans cette histoire est fou. À commencer par le comportement du Real Madrid. C'était pas très fair play. Non mais le Real, admettons que Vinicius ne soit pas Ballon d'Or ce soir. Le Real a gagné 6 des 10 derniers. Et on a une collection invraisemblable. Il faut savoir perdre. C'est le football. Surtout si un Espagnol, Rodri, champion d'Europe avec la Roja. Et avec des joueurs du Barça. Et le sélectionneur espagnol fustige justement l'attitude du Real qui boycotte cette cérémonie. Vous êtes d'accord? Le Real manque d'élégance, Jackie, dans... Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même le plus grand club du monde qui a eu énormément de ballons d'or et Dieu sait s'ils étaient tous prestigieux. Et de ne pas venir, je pense que ça manque d'élégance, ça manque de fair play. Et surtout que Vinicius, à mon avis, s'il n'est pas premier, il sera certainement deuxième. Donc... l'absence du Real, c'est vraiment une tâche assez importante. Le Real dit ne pas se sentir respecté par l'UEFA et par les organisateurs du Ballon d'Or. C'est-à-dire ça vous fait sourire. Ils ne sont respectés que quand ils gagnent, en fait. C'est un peu ça. Parce que le Real, bon, on sait que le Real et l'UEFA sont à couteau tiré depuis la fameuse affaire de la Super League, hein, qui avait été promue par Florentino Pérez, notamment, et par le Barça à l'époque. Mais c'est inaudible. D'autant plus inaudible, je me pense à quelque chose de très simple. Toni Kroos a été le grand organisateur du Real. Le successeur potentiel, ou un successeur potentiel à ce poste-là, le meilleur aujourd'hui, c'est Rodri, un Espagnol. On peut tout à fait l'imaginer rejoindre le Real. Donc être aussi mesquin, si c'est ça, hein, ça paraît fou. Non, mais si c'est ça et qu'ils s'en prennent à l'UEFA, ça veut dire que clairement, ils sous-entendent que le vote est truqué. Sinon, pourquoi dire qu'on leur manque de respect? On va revenir justement sur cette fuite, Louis. Vous nous disiez tout à l'heure que seules deux personnes étaient dans le secret et c'est l'UEFA qui aurait laissé fuiter le nom du Ballon d'Or auprès du Real. En tout cas, ce que l'on nous dit, c'est qu'a priori, la fuite serait à l'origine venue de Manchester. Alors après, de qui, comment, à quelle heure exactement, ça, malheureusement, on n'est pas encore en mesure de vous le dire. Et d'ailleurs, c'est une interrogation que l'on est en train de lever dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Parce qu'à croiser certains confrères du groupe L'Équipe depuis le début d'après-midi, que nous sommes ici avec Nicolas Payard, ça faisait grise mine hein, quand même. Hein. C'était pas du tout le scénario imaginé ce soir. Normalement, il devait y avoir au premier rang Rodri, Vinicius, Bellingham et Dani Carvajal. Et aucun des quatre n'était au courant de la décision. Donc il y a quelque chose qui a cloché dans le processus, ce nouveau processus
mise en place par le groupe L'Équipe pour cette 68e édition. Ce que l'on peut vous dire juste par rapport à hier soir, c'est que à la base, des joueurs comme Vinicius, comme Carvajal et comme Bellingham étaient censés venir à Paris dès hier soir pour passer une soirée. Bon, il y a eu la claque face au Barça samedi soir qui les a un petit peu refroidis, et des premières rumeurs qui dès hier soir ont fait comprendre à Vinicius qu'a priori il serait plutôt numéro 2 que numéro 1. L'accueil de Rodri, parce que tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne, j'ai entendu des supporters du Real, français ou pas, je ne sais pas, scander le nom de Vinicius. C'est un petit peu chaud à l'entrée du Châtelet. Ouais, alors c'est un petit peu chaud là, ils sont calmes, on va tenter de les montrer avec Nicolas Payard. Ils sont une bonne vingtaine ou trentaine depuis le début de la soirée. Et voilà, Vinicius, à chaque fois, c'est le nom qui ressort. Vini Ballon d'Or, il y a des maillots de Vinicius depuis le début de l'après-midi. La plupart sont venus pour voir le sacre de numéro 7. Ils ont sifflé copieusement l'arrivée de la délégation du Barça emmenée par Joan Laporta. Il y avait également Lamine Yamal et Dani Olmo. Mais on croit encore au sacre de Vinicius Junior, qui paraît évidemment très très improbable au moment où nous parlons. Et en même temps, messieurs, si c'est Rodri, bon, ce qui se précise quand même, parce que ce ne sera sans doute pas... Si c'est Vinicius, on va rigoler quand même. Ils auraient pris l'avion, Dominique. Alors, un jet privé va se poser au Bourget dans quelques minutes, vous allez voir. Jackie, Rodri, ce ne serait pas un scandale? Ben non, c'est quand même un joueur exceptionnel. Grand taille, milieu défensif, c'est un joueur d'équipe, bien connecté, on en parlait, avec ses partenaires. Il a une présence, il marque des buts, il a un bon jeu de tête, il est rarement blessé, il l'est là, mais bon, et puis en plus, les statistiques montrent que quand il joue, les victoires sont souvent très présentes. Mais une qualité de passe. Il a l'intelligence, il a tout ce que l'on recherche chez un milieu de terrain, et il est sobre, et c'est vraiment ce qu'aiment les entraîneurs, un joueur d'équipe. Voilà. Rodri, ce n'est pas un scandale, Dominique? Mais absolument pas, c'est au contraire, c'est la récompense de ce qu'est le football. Moi, je n'aime pas le Ballon d'Or, parce que c'est une récompense individuelle dans un sport co, donc je ne vois pas toujours le sens. Mais là, pour le coup, ça récompense l'essence même du football. Et que le Ballon d'Or échappe à un attaquant, j'ai regardé un petit peu ces derniers temps, c'est rarissime. C'est un tous les 10 ans, en gros. C'est Matthias Sammer dans les années 90, c'est Cannavaro dans les années 2000, et c'est Modric, si on considère que ce n'est pas un milieu offensif, un peu plus récemment, en 2018. Voilà. Et surtout, il viendrait, si c'est lui, quelque part, venger l'absence de Iniesta, de Xavi, surtout Xavi, qui a fait trois fois troisième consécutivement, de Steven Gerrard, qui ont toujours été abonnés aux accessites. Après, bon, voilà, la récompense était vampirisée par deux extraterrestres pendant 15 ans quasiment. Donc. Ouais, même si sur les dernières années, il y a peut-être des choses à redire. En tout cas, ou des trucs discutables. Rien à redire, vous êtes tous d'accord avec ça. Ouais. Si c'est Rodri qui est Ballon d'Or, a priori, ce sera lui qui sera Ballon d'Or pour un homme qui a quand même gagné cette année la Première Ligue et l'Euro avec l'Espagne. Reportage. Pourquoi lui et pas De Bruyne ou Haaland à Manchester City? Parce qu'il a gagné l'Euro avec l'Espagne, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui? Voilà. Bravo pour la réponse. Tout est résumé dans ces images. Ça a été dit par Guardiola, ça a été dit par Ruben Diaz. On l'a vu marquer des buts sans arrêt dans la surface adverse, alors qu'au départ, c'est un milieu défensif. Donc, ce qui est surtout, c'est sa science du football qui est impressionnante. Avec un but important, Jackie, et on va le revoir, parce qu'il ne compte pas pour ce Ballon d'Or de 2024, mais c'est celui marqué en finale de la Ligue des Champions en 2023 qui donne la victoire à City face à l'Inter. On a vu, il faut revoir la trajectoire du ballon. Elle passe, il y a une trajectoire possible pour le mettre au fond. Là, il a la vista. Regardez. Il oriente bien son pied, plat du pied, enroulé, fort. Un soir où il avait fait un très mauvais match, il était le premier à le reconnaître. Ou City avait tout à la sortie. Oui, mais l'histoire gardera ce but. Il a beaucoup souffert. Non, mais effectivement, les critères de désignation, c'est la qualité du joueur. Et c'est un joueur remarquable. Et ensuite, c'est le palmarès. Et effectivement, que champion d'Europe, ça a dû peut-être peser plus dans la tête de certains que la Ligue des Champions qui a lieu tous les ans. On le revoit, le palmarès, Geoffroy, on le revoit. Bon, c'est assez simple et en même temps, c'est révélateur. Hein. Première Ligue avec Manchester City, la Super Coupe d'Europe et le Mondial des Clubs avec City pour la victoire en Ligue des Champions précédente, l'Euro 2024 est élu meilleur joueur de l'Euro 2024, remporté par l'Espagne, on le rappelle, face à l'Angleterre en finale. Et je ne sais plus si on en a parlé, ce serait la première fois qu'un joueur de City reçoit le Ballon d'Or ou pas? Oui, tout à fait. Alors, ça c'est intéressant, c'est la montée en puissance d'un club. Puisqu'en 2022, Kevin De Bruyne était troisième, 2023, Erling Haaland deuxième, et donc si ça se confirme,
Rodri serait premier, ça viendrait ponctuer l'ascension de ce club. Mais moi, je pense que City était victime de son collectif, en fait. Comme c'est un collectif très fort, c'est extrêmement difficile d'en extraire une individualité. Bah, 2023, ils sont 5, ils sont 3 dans les 5 premiers du Ballon d'Or. En même temps, le Real est un collectif fort en aussi. En deux mots, c'est pas une anomalie. Moins. Il est élu, hein. Entre nous, c'est pas une anomalie. Non. Hein. Non. Il lui manque peut-être. Il n'est pas super spectaculaire, peut-être, ce qu'on peut lui reprocher. Bon, alors, il y en a un pour qui c'est une anomalie, c'est Philippe Carayon, et ce soir, ils vont en débattre dans le Late Sport 360 également. Vous y serez, Jackie ? Non, pas ce soir. Philippe Carayon y sera. Un petit élément quand même, on a montré la finale de 2023 contre l'Inter. En 2021, City est en finale contre Chelsea. Et de manière incompréhensible, Guardiola décide de laisser Rodri sur le banc pour mettre Gundogan à sa place. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, City perd, City est surclassé par les transitions de Chelsea. Donc, en creux, comme sur le terrain concrètement, Rodri est indispensable. Et puis, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé, parce que finalement, il ne sera pas dans l'ombre de Vinicius dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Vous pensez que ça lui fait plaisir ? On en reparlera tout à l'heure, en tout cas, parce que Kylian Mbappé est vraiment la cible des médias espagnols depuis la défaite face au Barça 4-0 avant-hier. Mais l'autre info du jour, c'est d'abord le limon. Waouh, le vol du siècle. Comment qualifier cela ? Il y a encore ma famille qui est en train de crier d'injustice là-bas. Moi, je suis barcelonais, vous voyez. Je suis barcelonais, mais je le dis, Vinicius méritait son ballon d'or. Dans la vie, il faut parfois être vrai envers soi-même. Dans cette vie, il faut parfois reconnaître. Il faut parfois donner à César ce qui lui appartient, parce que c'est pour des notions de justice, d'humanité. C'est du fair play aussi. Et moi, je le dis, Vinicius méritait son ballon d'or. Je suis désolé pour ceux qui pensent le contraire. Oui, je ne dis pas non, Rodrigo a fait une saison intéressante, certes moins bonne que la saison d'avant, mais il a fait une saison très intéressante. Il a quand même gagné la première ligue, même s'il n'était pas le meilleur joueur de Manchester City. Il a remporté l'Euro, même s'il n'était pas le meilleur joueur de l'Espagne. Là, j'ai envie de dire, pourquoi ? Si les critères ne sont plus focalisés sur les attaquants, pourquoi pas Carvajal ? Carvajal a tout gagné, Carvajal a gagné tout ce qui était remportable cette année. Champions League, Liga, Coupe du Roi. Franchement, qu'est-ce que Carvajal n'a pas remporté ? Il a encore remporté l'Euro. Donc, s'il fallait se concentrer sur ce critère du style, ce ne sont plus les attaquants qui font le ballon d'or. Alors, dites-moi pourquoi Carvajal n'a pas remporté son ballon d'or ? Pourquoi Rodri ? Pourquoi en fait ? Et là, tu le sens qu'il y a de la mafia derrière. Moi, je suis désolé, mais je vois de la mafia dans cette histoire de Ballon d'Or. Là. Sincèrement, de vous à moi, si c'est Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi qui avait fait les stats et les performances de Vinicius cette année, pensez-vous réellement qu'on aurait donné à Rodri ? Non, moi, je vous pose la question, répondez-y dans les commentaires. Pensez-vous que ce Ballon d'Or aurait été attribué à Rodri ? Alors que Cristiano Ronaldo ou Messi avaient fait les statistiques de Vinicius Junior. Non, 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 pour moi c'est une injustice. Rodri est très fort, je ne dis pas non, c'est un gars très très bon, mais je suis désolé. Quand je vois ce que Vinicius t'a apporté dans les matchs les plus importants l'année dernière, je suis désolé, tu le donnes à Vinicius Junior. Moi je suis contre les injustices, je suis contre le manque d'objectivité. Parce que c'est la seule chose qui nous fait rester humains dans le domaine sportif. Mais là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Rodri, je t'aime bien. Tu es fort devant une défense. Tu es le meilleur joueur à ton poste. Il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que on est en train de vouloir montrer que non, on peut donner le ballon d'or à un milieu de terrain. Pourquoi alors, si on peut donner le ballon d'or à un milieu de terrain, pourquoi pas à un défenseur ? À l'occurrence, Dani Carvajal, pourquoi pas à Jude Bellingham, avec la saison de fou qu'il t'a fait, arrivant comme ça au Real Madrid, s'imposant à son âge, 20 ans, il s'impose, la célébration, les mains écartées, pourquoi pas lui ? Pourquoi Rodri ? En fait, je ne comprends pas, je ne comprends plus les critères du Ballon d'Or, je suis embrouillé, je ne comprends plus sur quels critères on fait ce classement, on fait ce vote, je ne comprends plus. Il y a des saisons où lorsqu'il y a une Copa América, on te dit non, la Copa América n'influence pas. Finalement, c'est elle qui influence, comme avec le trophée Yachin de Emiliano Martinez. Je te demande qu'est-ce qu'il a fait pendant un an et il vient prendre un trophée. Alors que tu as le Nîmes, par exemple, qui a joué une saison au très haut niveau. Je ne
comprends plus. Franchement, je ne comprends plus les critères du Ballon d'Or. Je ne comprends plus les critères de ce trophée. Et moi, je crois que le boycott du Real Madrid, il est compréhensible. Il est totalement compréhensible parce que pour soutenir leurs joueurs, moi, je suis d'accord avec ce boycott. Sincèrement, je suis d'accord avec ce boycott. Moi, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil. C'est clairement du boycott. Pendant presque 3 mois, on nous a vendu le fait que c'est Vinicius qui serait Ballon d'Or. On nous a vendu cela et moi j'y croyais, franchement, je n'ai rien contre Vinicius. C'est un joueur peut-être qui est énervant. Quand tu joues face à lui, il peut t'énerver, je ne dis pas non. Mais moi je vois les performances du joueur, je ne m'intéresse pas à ses performances, je veux dire à son caractère et tout. C'est vrai, ça peut influer, mais moi je ne suis pas intéressé par ça, ce n'est pas mon problème. Mais là, venir dire que Rodri le mérite, je suis désolé. Non. Rodri ne mérite pas de Ballon d'Or devant Vinicius, je suis désolé. Et là, c'est la preuve que, je sais pas, j'ai envie de parler de racisme, mais franchement, je crois qu'on y est. Je crois que le racisme n'est pas loin, parce que déjà, c'est la cause. Vinicius combat contre ce racisme. Et comment on le remercie? On le prive du Ballon d'Or. Sincèrement, moi, je suis estomaqué. Je ne sais pas quoi en penser, mais croyez-moi que c'est injuste. C'est totalement injuste. Quand Riles a sorti son tweet, franchement, je n'y ai pas cru. Je me disais, ah, c'est peut-être une intox, histoire de redonner un peu de je ne sais pas moi, un peu d'interrogation à sa cérémonie. Histoire qu'il y ait une petite interrogation sur qui va gagner, mais là je comprends qu'il avait l'info exacte et là ça nous en a mis plein la gueule. Là, Vinicius, je suis désolé, pour moi, c'est le Ballon d'Or. Il y a deux injustices de ce Ballon d'Or qui m'écœurent, Lewandowski et Vinicius. Je suis écœuré. Et je reviens même pas à l'époque, oui, je sais, Messi a joué dans mon équipe, mais je suis désolé, il y a des années où Messi ne doit pas avoir de Ballon d'Or, je suis désolé, mais je vous ai dit, moi je suis un mec totalement objectif, c'est pas parce que tu joues dans mon club que je vais... Non, il y a des années où Iniesta ou Xavi méritaient plus ce Ballon d'Or que Messi, il y a des années où Schneider l'aurait mérité, des années où même Ribéry l'aurait mérité, vous savez très bien de quoi je parle, et là tu te rends compte que les critères, ils sont incompréhensibles. Les critères, ils varient selon les températures, selon les variations de température et de pression. Les critères, ça peut varier du jour au lendemain. On ne comprend plus. Sincèrement, je ne comprends plus les critères du Ballon d'Or. Je ne les comprends plus. Je ne sais pas pourquoi c'est autant indécis. En tout cas, je suis complètement perdu. Bref, force à toi, Vini. Que cet événement te pousse vers le haut. Que ça t'amène à prouver au monde du football que tu es un grand joueur, parce qu'il faut pas te laisser abattre. Franchement, moi je suis pas du style qui aime quand l'adversaire est dans le fond du trou, parce que la beauté du football c'est également de jouer contre des adversaires performants. Alors Vinicius, force à toi, vraiment sois un grand joueur, parce que c'est en battant les meilleurs, c'est en battant les grands joueurs qu'on devient également un meilleur club. Donc reste un grand joueur, continue sur ta relancée. Essaie juste de te contrôler sur le terrain, évite de trop t'emporter, de toujours contester les arbitres et de faire front au public. Concentre-toi sur le football, tu es un très grand joueur sincèrement et un jour tu l'auras, un jour je sais tout le mal que je peux te souhaiter. Oui, l'ami Yamal l'aura, peut-être avant toi, je ne sais pas, mais c'est question, tu l'auras. Donc, je suis encore sous le choc, je vous assure, je dis donc, c'est terrible. Bref, je sais que les Barcelonais sont contents ce soir, mais moi je vous le dis, je suis pas un supporter comme les autres. Moi je suis un supporter qui aime la justice et qui est objectif. Franchement, je suis objectif et l'objectivité veut que Vinicius devait être le Ballon d'Or. C'est le rival, mais n'abusons pas, il méritait son Ballon d'Or. Bref, je vous quitte là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao.